lors que, que notre travail, je vais vous rappeler des règles que vous connaissez absolument par cœur, mais ça ne fait rien, on les rappelle. Bien, Patrice, je crois que vous venez de voir un film choral, comme on dit, La troupe de Patrice Chéreau. Donc je vais vous présenter cette table dans l'ordre. À côté de moi, Charles Berling. C'est un petit nouveau dans la troupe, notre Bergerac, Indochine, la reine Margot. Et là, effectivement, vous avez pu le voir aussi en sombrero en américain dans The Crow. Et là, effectivement, je pense que vous l'avez trouvé magnifiquement méconnaissable. À côté de Vincent, Valeria Boni-Tedeschi. Puisqu'elle a été son élève à Nanterre. Elle joue souvent des rôles, toujours une énergie fabuleuse. Vous avez pu effectivement la voir dans Oublie-moi de Noémie Lvovsky, dans La Seconda Volta de Mimmo Calopresti. D'ailleurs, elle défend son deuxième film à l'ouverture de la quinzaine ce soir, Mot d'amour. Et elle aimerait beaucoup que chacun l'ait vu aussi dans le seul rôle de jouer deux rôles à la fois. Patrice Chéreau. Patrice Chéreau est son septième film et vous savez bien que le 7 est un excellent chiffre. Il a été trois fois à Cannes. Pascal Grégory. Le producteur de l'insolente trilogie d'Étienne Chatiliez, La vie est un long fleuve tranquille, aussi qu'il a été le producteur du défilé, de l'extraordinaire défilé de Jean-Paul Goude du bicentenaire de la Révolution sur les chansons. Scénariste aussi éclectique et aussi fait scénariste de La Boum, la scénariste de La Reine Margot et de Ceux qui m'aiment prendront le train. Jacques. Sylvain Jacques fait partie maintenant de la famille, mais tout nouveau, puisque ce film est son premier film. Il n'avait jamais reconnaissé son père, pour avoir été au lycée avec son père, et pour avoir demandé à son père de jouer dans le premier spectacle qu'il a monté au lycée. Donc, il a reconnu en Sylvain Jacques quelqu'un qu'il connaissait, puisque, semble-t-il, Sylvain Jacques est le sosie de son père au même âge. Grâce à Charles, au producteur, mon producteur, j'ai pu les obtenir, et parce que c'est pas simple. Et personnellement, j'aurais bien mis tout le disque de Jeff Buckley. Il se trouve que Jeff Buckley est mort pendant que le film était en train de se tourner, que c'est une chose qui nous a tous beaucoup frappés, que je l'ai finalement découvert à ce moment-là. Et j'ai mis le premier morceau que j'ai mis sur le moment où le train croise la voiture avec le cercueil. Je l'ai mis pour des raisons strictement musicales, parce que je le trouvais magnifique, que je trouve la voix de Jeff Buckley admirable. Et en plus, j'ai découvert, mais après l'avoir mis dans le film, que le morceau s'appelait The Last Goodbye. Voilà. My name is Lisa Strindberg. Je suis journaliste. The movie, without fear or without to be anxious and. But I know men also as well, they like the film, the movie. But I see, I feel... Moi, je trouve que le film est très intéressant pour les hommes aussi. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Valeria. Moi non plus, j'ai aucune idée là-dessus. Je pense que c'est pas tellement à nous de le dire, c'est plutôt à vous. Et aussi par rapport à l'autre... L'autre question d'un film postmoderne et tout ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir un recul pour ça, que, en tout cas, moi, j'ai pas. Qui est Vincent Pérez parmi ces personnages? Alors, ma question s'adresse à Vincent. Je voudrais savoir si vous avez hésité à prendre ce rôle et comment vous l'avez préparé. Vous passez beaucoup de peur. On était tous les deux très, très inquiets. Plus on s'approchait du tournage et plus on avait peur.
Je ne sais pas, c'est par immersion, aussi par le bon vouloir de toute l'équipe, par mes partenaires, par les règles que Patrice a installées sur le tournage. Il n'y avait plus de Vincent, il y avait que Viviane sur les feuilles de service. Donc Viviane a existé à la place de Vincent. Je suis rentré dans le personnage et au bout de quelques jours, quelque chose s'est passé. À force d'immersion, finalement, c'est Viviane qui a fait le film et moi, je l'ai laissé faire. Mais c'est grâce. Il faut le voir maintenant, parce qu'après 30 ans, c'est. Je vous promets que j'irai le voir. Merci. Non, mais ça n'enlève rien à votre question et c'est vrai qu'elle n'est pas si étrange et si folle que ça. Et en tous les cas, en tant que critique, Michel Cournot avait cette capacité. Je viens toujours de Roumanie, le journal Adevărul, ça veut dire en français la vérité. On vous aime bien en Roumanie, vous savez, on s'assoit. On a pris l'avion de venir de Bucarest à Paris et de Paris le train. Donc, depuis de la prendre le train, c'est très bien. C'était bien. Bon. Est-ce qu'on pourrait associer votre film, M. Chéreau, à une certaine, disons, envie de faire un film différent de La Reine Margot? Ou c'est juste l'offerte très très envoûtante de madame Danielle Thompson qui vous avait poussé à faire ce film? Je crois que c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, c'est-à-dire que Danielle m'a proposé ce sujet il y a longtemps, c'était pendant le montage de La Reine Margot, et je crois l'avoir accepté tout de suite, en tout cas je crois avoir accroché tout de suite sur cette idée, non pas parce qu'il aurait été différent ou il serait différent de La Reine Margot, mais simplement parce que le sujet, la situation, disons, de ce voyage en train, le parti pris, le présupposé de départ qui était que d'une journée terrible pouvait devenir une journée joyeuse en même temps et que la mort pouvait déboucher sur les vivants, sur la vie, m'a parlé tout de suite. Et j'ai pensé tout de suite, instinctivement, qu'on pouvait y accrocher des wagons que j'aurais envie, si je peux dire, accrocher des wagons que j'aurais envie d'y accrocher et qu'il y avait moyen de développer ce sujet, qu'il était très libre. C'est-à-dire que c'était un sujet, et c'en était pareil en même temps, c'était une situation de départ dans laquelle il fallait tout inventer, il fallait tout recréer. Et voilà, j'y ai travaillé, on y a travaillé, et au bout de 6 mois, on a eu un synopsis, mais je ne me suis pas posé la question de savoir si ça allait être différent ou pas. Bien sûr, je me suis dit, un metteur en scène a toujours envie que le film d'après soit différent des autres. On a toujours envie de se dire, maintenant j'étais là, je vais essayer d'aller ailleurs, je vais essayer d'aller voir ailleurs, de regarder ce que je pourrais, comment je pourrais avancer. Et c'est sûr aussi qu'un film historique donne l'envie après de faire un film, immédiatement après, de faire un film le plus contemporain possible. Et l'idée était, sans les écrans et sans les murs, comme ça, les murailles que pose quelquefois un film historique, l'idée était de regarder les gens autour de moi aujourd'hui, en 1998, de se dire comment est-ce que les gens aiment, comment est-ce que où on en est par rapport à la famille, par rapport à la paternité, par rapport au couple, par rapport à ce type de contrat que les gens passent entre eux pour vivre entre eux en famille ou en couple ou dans le monde ou en société, et de faire un petit peu le point sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.